Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur les hauteurs de Bormes, on va aller se faire une super sortie. Hâte de faire la première montée parce que déjà rien que la première descente ça va annoncer la couleur. Allez, on est parti là. On est parti. Première longue montée pour aller se chercher une descente, vous allez voir. D'anthologie. Une belle descente enduro, belle petite caillasse dedans. Ça va être un pur bijou. Oh. Hein? Imagine que tu fais des articles. Eh oui, on est là. Quoi qu'il arrive, on va chier. Alors, on entend partout VTT électrique et machin et tout ça, mais finalement quand on regarde sur une sortie, ils se mélangent pas, vous voyez, ils roulent en famille. Ils sont les quatre ensemble, ils essayent même pas de s'intégrer au musculaire, c'est inadmissible. On a donné. Je rigole bien sûr, hein, c'est des copains. Ils sont là pour nous pousser dans les montées et tout, on se régale avec eux. Allez, on continue de monter tranquillement avec de super vues sur le côté qui motive un petit peu. Tout le monde a chaud? Ouais, on a chaud, on est nickel. On va rentrer, on va boire les bières. Allez, ça continue de monter pour aller chercher la première et descente dont je raffole. Super technique. Dans une goulotte, que des pierres, rochers. Enfin, vraiment, vraiment sympathique. Vous allez voir ça. Allez, on est dedans. Vous allez voir ça, là, c'est du bueno. On s'est trompé, les copains, ils nous ont pas attendus. Ils doivent être déjà en bas. Hop là, allez, ça descend là aussi. Génial. Ça, là, c'est du caviar. Ah putain, j'ai coincé la poignée, la pédale. Ça descend aussi normalement. J'ai coincé la pédale comme un âne. Oh, elle a raviné par rapport à la dernière fois. Allez, on les a retrouvés. Bah là, on était allé tout droit. Voir si c'était pas un peu plus loin, on avait un doute. Ça descend. Allez. Il n'y a qu'un endroit ici un peu plus bas où à chaque fois je mets pied à terre. En plus c'est un petit peu glissant. Ah, ça passe. Je sais pas si j'ai pas arraché derrière. On verra. Hein. Allez, sur la droite. On va laisser. Pas pu la descendre comme je voulais, parce qu'il y avait du monde devant, dommage. C'est ça la démarche que je suis jamais arrivé à passer. Mais je pense que là, sur la droite, ça doit le faire. Oui, ça l'a fait. Hop, youpi. Oh, ça l'a fait. Un peu en freestyle, j'ai sorti un pied, mais c'est passé. Le problème, c'est que c'est un peu glissant. Là. Oh, c'est bon. Bah, je suis allé promener, je suis allé faire un petit tour. Ah bon, mais cette descente, t'as revalidé. Sans s'arrêter, mais tout est passé sur le vélo. C'est génial, un régal. Parti, deuxième partie. J'ai pas le temps, moi, j'y vais. Ah, celle-là aussi, elle est sympa. Tout ce que j'aime pas, il va y avoir que des virolos droite-gauche. Chose où je suis pas à l'aise. Il n'y a jamais le vélo qui va où j'ai envie qu'il aille. Et il va jamais tourner.
Voilà. Je suis toujours à l'arrêt, putain, ça me gonfle ça, franchement. D'être aussi mauvais. Sinon, ça ne pouvait pas le voir. C'est fantastique. Voilà, loupé. Et voilà. Putain de ça, ça. Un jour, peut-être. C'est une catastrophe. Putain, ça me gonfle ça. Ouais. Allez, vas-y. J'arrive pas à les virages, moi. Bah, c'est... Je sors bien le cul en fait. Sors bien quoi? Il m'a dit sors bien le cul, j'ai pas compris. Pourtant, hein, ils arrivent eux. Je comprends pas. Ça doit être le vélo à tous les coups. Ça doit être une histoire de vélo, ça. Voilà, ça doit être une histoire de vélo. Oh, celui-là, je l'ai pris. Ça va mieux. Ouh là là. Moi, c'est le genre de truc. Je mets la roue à l'avant, me suis piouf sur le côté. Nettoyé. Oh là. On va filmer là les copains. Oh oui. Joli. Oui, oui. Allez, joli. Ah. Joli. Ça, c'est à gauche, hein. Ah, c'est... Ouais, c'est à ta gauche, pardon, excuse-moi. En effet. Voilà. Oh putain de pied. Joli. Allez, on est reparti. Ah, je vous avais promis du bueno, c'est du bueno. Hein. Comme il dirait le capitaine. Putain, ça descend à one again. Hein.
sur pratiquement tout le monde, est passé. Ah. Franchement, belle descente, bravo à vous. Un régal. Bravo les gars. Moi je me suis fait chier. Allez, on repédale un petit peu tranquillement là, juste avant d'attaquer la côte. Il va y avoir un bon coup de pétard. Je l'appelle le mur des lamentations. Celui-là, pas long mais intense. Et puis après ça va continuer à monter sur une large piste pour récupérer encore un petit single descendant. On n'a pris qu'une fois, mais si j'ai bon souvenir, il était magnifique aussi. Allez, on est parti dans la montée. J'attends pas avec impatience le coup de pétard. Mais il est là bientôt. Je coupe parce qu'il y a Patrick qui me double. Ça doit pas se voir en vidéo ça. Allez, il est là. Le mur des lamentations. Et il est où? Bah, je le trouve moins dur que d'habitude. Je sais pas ce que j'ai bouffé. Mais non, impeccable. Ah bah super. Allez, c'est fait. Allez, ça monte toujours, super vue sur le côté, on s'accroche, on n'est pas encore sur le single descendant, mais on va pas tarder à arriver dessus. On a fait quoi, 13 bornes, 430 mètres de dénivelé, c'est pas si mal que ça. Allez, c'est reparti. À part endroit, celle-là, elle est bien engagée. En tout cas, il y a du grip. Elle est toute humide. Enfin, du coup, il y a un petit grip. Elle est bien sympa. Par contre, faut faire gaffe sur les rochers, justement. Voilà où il a planté. Allez, on reste concentré. Allez, ça descend. Putain, il y a une branche là. J'ai coupé à travers champ. Ouh. Ah, faut faire gaffe quand même. Parce que là, quand tu arrives dans les passages comme ça, ouais, là, l'avant par contre, il glisse. C'est bon les gars, j'ai déjà la vignette. Là tu vas niquer. Joli. Ouais, joli. On a eu des pertes en route, Hervé il a tracé tout droit là. Ouh, ça descend. Et on les prend tellement peu souvent qu'on connaît pas le. On sait pas où elles vont en fait. On descend comme des cons. Et des fois, ben voilà, ça se paye cash. Allez, c'est passé. Allez, go, go, go! Go, go, go! Il a dit bien le cul en arrière, on tourne le guidon et ça passe, vrai, ça passe. Tant bien que mal. Allez. Attention, on arrive!
Comment mettre la pression, tu sais. Tutut. Allez, ça passe. Tururu, 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 nut, nut, nut. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon, c'est trop bon. Ah. Ah, le bidon est passé. Ça passe. Ah non, je suis pas tombé. GPS, il m'a dit que j'étais tombé. Ah putain, j'appuie. Annulé. Ah, tricheur, je t'ai pas tombé. Pas encore. Putain, même le GPS, il soude ma gueule que je vais pas assez vite. Tu crois, toi? Wouh. Ah, lui, trahi même par les siens, quoi. Allez, ça descend. Bon. Je vais arrêter là, je vais laisser un peu d'espace. Allez, j'ai laissé un peu d'espace, c'est reparti. Parce que sinon, c'est le coup à se casser la gueule, parce que tu montes de vitesse à un endroit, tu vois pas les obstacles là. Alors, mieux s'arrêter. 30 secondes. Et tu repars tranquille, on n'est pas dans une course. Et tu t'amuses beaucoup plus, et surtout tu mets pas la pression aux copains de devant. Il n'y en a pas besoin d'avoir la pression sur des descentes comme ça. Moi, ça me permet d'avoir un petit peu plus de vitesse. Ça fait un petit peu plus partir à l'arrière dans les virages serrés. Et c'est bien mieux. Ah, elle est vraiment géniale, ça. Elle est vraiment, vraiment géniale. C'est une pépite, ça. Tu vois, avec la vitesse, ça va beaucoup mieux dans les virages. Il y a quelqu'un de notre équipe pilote. Je me sens plus à l'aise du coup. Vite, je vais y aller tout droit. Qu'est-ce que vous en pensez de ça là? Franchement, moi je me régale. Bon, et la fin, elle est moins technique, un petit peu plus ludique. Pour, pour. Oh, oh, elle est super. Allez, c'est reparti là, on va se taper de la grosse montée, et pour agrémenter là, on promène un petit peu, on cherche une nouvelle draille, histoire de nous éviter un petit peu, parce qu'il y avait un petit peu de route, donc on est parti à l'aventure. Allez, on est toujours en exploration. On est arrivé à un passage un petit peu délicat. Ah. On a retrouvé la civilisation, enfin un chemin un petit peu plus carrossable. On est parti dans la longue montée qui devrait nous ramener au plateau du haut, quoi. Voilà. Donc on est parti pour en chier un long moment. Allez, on est en train de se motiver, un petit groupe de 4 là, en train de monter, ça monte terrible, c'est dur pour une fin de sortie, mais on s'accroche.
On est là. Arrivé. Vous appuyez sur les pédales. Il y en a d'autres qui sont arrivés, ils n'appuient pas. Ta première sortie avec le club alors. C'est compliqué. Ils vont nous jeter des cailloux et se faire enculer. On va voir que je m'affile un peu, tu vois. Ça va arriver au bout de 3 sorties, tu vas déjà voir la différence. Non, franchement, top. Tu vas te sentir. Ah, ils nous ont trouvé une variante pour remonter là, franchement. Je félicite pas celui qui l'a trouvé. Je félicite pas celui qui l'a retrouvé. Parce que c'est déconné. Ah, il m'a bloqué. Ah, bon, ça pousse un peu là. En fait, au lieu de retourner en voiture vu qu'il était tôt, on essaye d'aller récupérer une draille descendante un peu plus haut qui nous ramènera justement jusqu'aux voitures. Je sais pas dans l'état qu'elle sera, parce qu'avant elle était déjà très compliquée et ça fait énormément de temps qu'on l'a pas prise. Si on la retrouve, bien sûr. Allez, je sais pas si c'est celui-là, mais en attendant, il a l'air sympa. Allez, c'est parti. Pour finir en beauté. Je suis tout seul. Oh, joli. Bon, tu sais quoi, on va s'arrêter déjà là. Et on va filmer les copains là parce que je pense que ça va être rigolo. Je sais pas si vous arrivez à voir le passage, mais putain, fier de moi d'avoir fait. Franchement, je sais pas comment je me suis lancé là-dedans. Content. Branche sur une branche. Ça m'a envoyé. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain, sa mère. Joli. Joli. Allez, pour finir en beauté là. Ah, je crois que c'était celle-là, je crois qu'on s'est pas trompé. Elle est magnifique. Pour finir une belle rando comme ça, il fallait au moins ça. Allez, go, 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 go! Ah, la branche! Attention, bouge pas. Ça passe, ça passe. Oui, ça passe. Bouge plus. On fait une petite trace dans la culotte, mais ça passe. Ouf. Ouf. Seb, un drive zéro. Oh, je suis parti où là? Oh, la fin. Commence à fatiguer là. Ça descend. Beaucoup moins de vitesse. Allez, ça passe. Ah, c'était. C'est la fin en fait qui est pas super belle. Allez, ça descend ça. Oui. On se chie pas dessus. On garde un petit peu de vitesse. Là, ça devient un peu tendu quand même. Oh. Allez, ça passe, ça passe. Allez, allez, ça doit passer. Ouais. Oh. Ah, j'ai mis un peu des pieds. J'avoue. J'avais un pied par terre. Hop là. Bonjour. Bonjour. Oh,
Non, je pense qu'il y en a sur le vélo un peu. Ouais, qui une dizaine au moins. Ouh là là. Bonjour. Merci beaucoup, c'est gentil. Oh, celle-là, les enfants. Oh, papa. Oh. On se finit en beauté. Oh, bagnole. Elle est faite. Tout sur le vélo. Ah. Ah. Génial. Ah, il n'y a qu'un endroit où j'ai un petit peu mis les pieds. Joli ciel. Non. Tu n'as pas pris le plus facile. Non, ouais. En plus, ça filme le mauvais pas. Reste sur ta droite. Sur ta droite, Jean-Louis. Hein? Sur ta droite. Voilà, là. Joli. Bien. Moi, je suis passé sur la droite. Ah, ah, putain. Et, c'est où, droite ou... Il m'a niqué, oh. Ouais. Ah, moi je trouve que c'est le plus facile par là aussi. Ah, c'est bien. Je vous fais 3 mm de plaquettes et je mets au top. Bon, pour clôturer une si belle sortie, mais bon, encore un petit coup. Je sais pas pourquoi on boit un coup, mais on le boit. Voilà, une super sortie, franchement, régaler les descentes au top. J'espère que ça va vous plaire en vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.